Hey, c'est tout le monde, comment ça va? Moi ça va bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo trouvaille du mois, donc comme à chaque mois d'ailleurs. Donc là, ça pour le mois de mars. Donc ce mois-ci, j'ai trouvé quelques jeux, des livres, une console, deux manettes et deux accessoires. Donc accessoires de décoration, bien entendu. Alors, bien sûr, dans cette vidéo, vous ne trouverez pas tout ce que j'ai trouvé en vide-grenier, car les vidéos comptant du vide-grenier sont là pour ça. Donc, que j'ai trouvé? Trois livres, trois jeux PS2, deux jeux GameCube, un jeu Wii U, deux jeux PS3, deux jeux PSP, un jeu PS1 et un jeu Game Boy, enfin Nintendo. DS, enfin entre guillemets un seul, une console, plus de manette et une carte mémoire. Donc vous allez voir ce que c'est. Plus un petit accessoire, une petite peluche. Oh, encore une. Et une PLV. Donc la PLV, je vais vous la montrer de suite. Alors, je sais pas si vous allez voir. Bon, la PLV. C'est la PLV de The Division, donc le gros jeu vidéo qui est sorti tout récemment de chez Ubisoft. Donc leur plus gros succès d'ailleurs maintenant. Et en plus, vu que c'est un Tom Clancy, c'est ben, je suis content d'ajouter cette PLV à ma collection. Donc c'est vrai qu'elle est impressionnante et que je peux pas trop vous la montrer en vidéo. Je prendrai peut-être une photo et je la mettrai par là. Au moins pour que vous puissiez voir. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Une carte mémoire Dreamcast pour 3 euros. Ça va, pour 3 euros, ça mange pas de pain. Je crois qu'il y a une, je crois que je vais peut-être devoir changer la pile par contre. À voir. Ensuite, une manette Dreamcast. 7 euros. Vous êtes en train de vous dire, ah, il a dû s'acheter une Dreamcast. Vu qu'il nous montre des accessoires Dreamcast et vu qu'il nous avait montré des jeux Dreamcast auparavant. Eh ben oui, j'ai acheté la Dreamcast. Donc elle était complète avec la manette. Donc là c'est notre manette. Les câbles, etc. Là j'ai déjà passé environ 3 heures dessus pour la déjaunir. La couleur qui était jaune à la base était pire que ça. Là, j'ai déjà à peu près réussi à la voir. Donc, ça va me demander encore pas mal d'heures de travail. Mais je suis confiant pour la suite. Merci les tutos sur YouTube pour montrer comment déjaunir une console. Ensuite, j'ai acheté une manette GameCube pour 5 euros. Là, c'est une officielle, contrairement aux deux autres que j'avais. Les officielles, généralement, sont plus chères que les non officielles. Enfin, partout où je vais, d'ailleurs. Celle-ci, je l'ai payée que 5 euros. Elle fonctionne très bien. Avec logo Nintendo. Nintendo GameCube, franchement, j'en suis très content. Du coup, les deux autres non officiels, ils me restent dans la boîte quand j'aurai du monde. Ensuite, les achats de livres. Non, la peluche. Et ben, c'est Judy Hopps de Zootopie. J'ai beaucoup aimé ce film et bon, pour 7 euros, bon, je me suis fait un petit kiff. Elle va aller rejoindre sa mèche, tiens. Hop. Alors. Hop, et voilà. Comme ça, ils sont deux. Bon, j'espère qu'ils vont pas faire trop de saloperies entre eux. Ensuite, un manga que j'ai découvert ce mois-ci. Et franchement, j'en suis très content de la. Je suis très content de l'avoir découvert. Là, c'est le tome 1.
Je me suis renseigné, c'est un tome en 5, enfin c'est un manga en 5 tomes, pardon. Je suis impatient de trouver les 4 autres pour les ajouter à ma collection. Et c'est Blood Plus. Franchement, ce manga, je vous le recommande si vous êtes du genre à aimer Jackass. Allez voir, lisez ce manga. Franchement, vous ne serez pas déçus. En plus, c'est un glénat du même type que les Bleach, donc Seinen. Et franchement, j'adore. Franchement, je vous le recommande si vous ne l'avez toujours pas lu. Ensuite, j'ai acheté JV Mag, enfin jeu vidéo, JV, jeu culture jeu vidéo, génération Super Nintendo. Donc moi je vous le recommande si vous ne l'avez toujours pas eu, si vous n'avez toujours pas lu, car vous en apprenez beaucoup sur l'histoire de la Super Nintendo et y compris sur la PlayStation Super Nintendo. Ceux qui ont lu ce magazine comprendront. Ceux qui ne l'ont pas lu et qui connaissent l'histoire comprendront également, mais ceux qui ne savent pas l'histoire, allez voir, lisez ce magazine, vous comprendrez toute l'histoire de la décadence de Nintendo. Et enfin, dernier livre que j'ai acheté, le guide officiel de World of Warcraft, Warlord of Dragon. Draenor. Donc, bon, il est quand même assez lourd et épais. Je l'ai payé 10 euros, donc moins 50% à Auchan. Sachant que hier je suis allé revoir Deadpool. Donc, hier c'était printemps du cinéma, donc j'en ai profité. Et j'ai vu qu'ils allaient sortir un film Warcraft. Et du coup, ça me donne envie d'aller le voir. Sachant que je n'ai pas joué aux jeux vidéo d'ailleurs. Peut-être que ça me donnera envie de jouer aux jeux vidéo. Yeah. Et enfin, j'ai acheté tout ça en jeux vidéo. Donc beaucoup moins que les autres mois. C'est vrai que mois de janvier, février, j'avais explosé tout. Mais là, je me suis un peu calmé. Donc. Bah, sachant qu'il y a les brocantes, autant profiter avec les brocantes. Donc, je vais commencer par les jeux PlayStation 2. Donc, ce jeu-là, c'est Metal Gear Solid Sons. Donc, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Sachant qu'il y a un DVD dedans, offert. Bon, quand j'ai vu ça, bah, j'étais content. Alors, je vais voir si c'est un film ou pas. Comme ça me donnera l'occasion de voir ça. Peut-être que j'en donnerai mon avis dessus en ASMR. Ensuite, deux jeux PS2. Donc, ces deux jeux-là sont issus d'un échange contre un autre jeu. Donc, ces jeux ont été de valeur équivalente. Donc, voilà. Alors, Burnout 2. Point of Impact en édition Platinum. Donc, je suis impatient d'avoir la PS2 pour pouvoir me tester enfin mes jeux PS2. Et enfin, Metal Arms Glitch in the System. Donc, un jeu de mecha. Ouais, il a l'air d'être sympa. D'après les designs, bon, quoi. Il a l'air d'être marrant. Ensuite, sur la GameCube. Alors, c'est deux jeux Tom Clancy. Donc, Splinter Cell, le premier. Donc, je l'ai essayé. Je trouve vachement dur. Donc, plus dur que des Rainbow Six ou Ghost Recon. Après, c'est normal. Et enfin, Splinter Cell Pandora Tomorrow. Donc, sur GameCube, pareil. Donc lui, il est dans ma vitrine, car franchement, il est vraiment beau. Je crois que c'est le Count of Theory qui a deux CD. Là, lui, ces deux-là en ont qu'un.
Et celui-ci, c'est le suivant meilleur état. Un jeu Wii U, je vous l'avais dit, je l'ai payé 8 euros. Bon, j'ai pas la Wii U. Ça, c'est un achat au moins comme ça. Quand je l'aurai un jour, et ben j'aurai déjà le jeu. Et c'est Sonic Lost World. Je l'ai payé 8 euros à Carrefour. Donc, franchement, quand je vois qu'ils le vendent encore 30 euros à Micromania et 30 euros à Auchan, je vois à 8 euros à Carrefour, moi je le prends. Moi, comme ça, quand j'aurai la GameCube, la Wii U, j'aurai déjà un jeu. Ensuite, deux jeux PS3 complets. Avec notice, très bon état. Bon, sauf cette jaquette qui est un peu jaunie, c'est dommage. Bon, vous l'avez vu, c'est Tom Clancy's Rainbow Six Vegas. C'est un jeu que je recherchais. Et Ghost Recon 2 Advanced Warfighter. Donc, Tom Clancy's également. Bah, ça va rejoindre ma collection Tom Clancy's pour mon full set. Ce jeu-là, c'est en dernier. Ensuite, deux jeux PSP. Donc, Star Wars Lethal Alliance, donc, qui est dans ma collection Star Wars, dans ma vitrine d'ailleurs. Très très bon jeu. J'ai regretté d'avoir vendu la version Nintendo DS. Réellement, j'ai préféré la version DS, mais ce jeu, il est excellent. Je vous le recommande. Si vous ne l'avez toujours pas fait. Et ensuite, Dissidia Final Fantasy. Alors, je n'ai pas encore testé le jeu. Tout ce que j'ai pu voir, c'est que le jeu était en très bon état. Impatient de le tester. Un jeu PS1, et là, cette fois-ci, c'est les bons disques, Driver 2. Et j'ai les deux jeux. Alors, ce qui est bizarre, c'est que c'est à l'intérieur édition Platinum. Donc, c'est des miroirs, hein, comme on les appelle. Fait par le diable en personne Infogrames. Bon, je les ai payés 1 euro. J'aurais préféré avoir la notice avec, mais bon, voilà. Pour l'instant, je suis en train de les chercher, les notices. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Et oui, pour moi, c'est le meilleur pour la fin. Il est complet. Plus deux petits bonus que je vais vous dire après. Dissidia, bah, j'avais payé 5 euros comme c'est dessus. Celui-ci, je l'avais payé combien? On me rappelle 10 euros pour celui-ci, donc je l'ai acheté 9. Celui-ci 5 euros, 8 euros, 5 euros, 5 euros. Ouais, voilà. Je les ai pas payés cher. Le manga, je l'ai payé 1 euro. Pardon. Et le JV Mag, bon, je l'ai payé plein pot, donc 6,95. Donc ce jeu, pour revenir à ce jeu, je l'ai payé 15 euros. Je vous arrête tout de suite, vous allez dire que c'est cher. Oui, je suis d'accord. Mais quand vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur, vous allez comprendre pourquoi j'étais content de l'avoir eu. Donc, je regarde. Donc, bon, bah, il y a la notice, c'est super. Bon, ça m'évite de la chercher. Je regarde s'il y a l'autre notice. Donc, le mode d'emploi de la connexion à Nintendo, il y est. Mais quand j'enlève ça plus ça, voilà ce que je trouve à l'arrière. Comme ceci dans la boîte. Deux autres jeux Pokémon. Donc, Pokémon version Perle. Et Pokémon version Argent Soul Silver. Donc, trois jeux pour 15 euros, ça vaut le coup.
Là, j'ai fait, je crois que c'est un de mes plus gros coups de fusil que j'ai pu faire. Donc, j'attendais justement la vidéo pour vous les montrer en exclusivité. J'aurais dû mettre ça en vidéo, mais sur Facebook. Donc, quand j'ai vu ça, j'étais waouh! Bon, bah, tant mieux. J'ai regardé à l'intérieur. Il y avait des légendaires, des starters à plus de niveau 60. Bon, et ben c'est parfait parce que grâce à ces cartouches-là, je crois que c'est avec la version perle que je vais garder exprès pour Pokémon Battle Revolution. Certes, ce ne sont pas mes Pokémon que j'ai augmenté moi-même, mais au moins je sais comment les utiliser. Donc voilà. Surtout que la jaquette est de ça, c'est magnifique. Tout à l'heure, je suis allé me balader dans un cache. Je vois deux versions platine, donc comme ça, à 25 euros pièce. 25 euros pour chaque Pokémon, ça fait très cher. Surtout pour cela. Moi, j'ai payé 15 euros et avec 3 jeux à l'intérieur. Donc j'étais très très content. Donc voilà, alors c'est vrai que ce mois-ci, bah, je me suis quand même restreint pas mal au niveau des achats en magasin. Ouais. Mais bon, sachant que si je me restreins dans les achats magasin, c'est avant tout pour pouvoir augmenter mes achats en vide-grenier. Et oui, car mes achats vide-grenier, c'est ce qui va me prendre un peu plus de temps en ce moment. Donc voilà. C'était Drago. Avec les petites trouvailles du mois. Donc, des trouvailles assez colossales. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et ciao, ciao!